Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Final Fantasy X. Mesdames et messieurs, maintenant que vous avez vos 26 manuels d'Albed, vous allez pouvoir choper 99 œils de tigre. À quoi va servir cet objet? Tout simplement à faire overdrive x2 sur vos armes. Et ça va être très utile pour l'XP, par exemple, si vous mettez overdrive en PC. Alors, mesdames et messieurs, pour choper ce truc-là, il va vous falloir vos 26 manuels d'Albed. Donc, il faut avoir terminé cette magnifique quête. Et une fois que c'est fini, vous allez aller dans le vaisseau et parler à Rin. Et celui-ci va vous donner un petit dialogue bonus que je vais vous laisser apprécier. Je vais arrêter de commenter pendant le dialogue. Et vous pourrez l'apprécier. Alors, par contre, là, je me suis totalement trompé. On est d'accord sur le trajet. Ici, vous parlez à Rin. Et celui-ci va vous lancer un petit dialogue sur Yuna et ses parents qui va être relativement intéressante. Et ça va s'enchaîner sur un dialogue en Albed qui va vous permettre d'obtenir les 99 objets. Old man was a priest of Yevon, but he married in Albed, huh? Lord Braska wanted peace between his people and ours. He would occasionally visit the home of those days. So that's how he met Cid's sister? They ran off together. Into the night. Sounds like love. Wow, Cid must have been furious. Yes, he wouldn't talk to her after that. But when Yuna was born, they made up again. His sister took off for home at once. But then her ship. Sin. That incident turned Lord Braska down the summoner's path. Everything leads back to Sin. But you'll put an end to it? With a vengeance. I pray for your success. If there's anything I can help you with in the future, just ask. Ace. Et donc voilà, le petit dialogue en albed, et vous allez voir que là, ils vont converser totalement, et maintenant que vous comprenez parfaitement cette langue, vous pouvez apprécier les dialogues en complet. C'est ça qui est vraiment génial. Et donc pour vous remercier de tous vos efforts, et c'est vrai qu'on en a fait quand même, on a fait souvent des sacrés détours pour choper des manuels d'albed, même si quand même assez souvent sur notre chemin, on chope les 99 œils du tigre, vous permettant, comme je vous l'ai dit, dans la modification d'équipement, de mettre overdrive x2. Alors faites attention, si vous avez une arme qui a déjà overdrive x3, vous ne pourrez pas mettre overdrive x2. Vous voyez que ça ne marche pas. Donc avec 99 œils de tigre, vous pouvez mettre overdrive x2 sur 3 armes, puisqu'on en chope 99 et il en faut 30 par arme. Ce qui pourra vous être utile, par exemple, pour les armes de Yuna, si jamais... Voilà, vous avez mis overdrive en PC, vous mettez un petit overdrive x2, PC x2, ça fait déjà XP x4. C'est déjà relativement pas mal, on va pas non plus se plaindre avec un tel truc. Donc voilà, mesdames et messieurs, pour les 99 œils de tigre, une petite scène bonus. C'était à présenter, je trouve ça relativement intéressant et j'aime les petites scènes supplémentaires comme ça qui non seulement vous rapportent, mais en plus donnent un petit peu de background à l'histoire. On sait maintenant comment est morte la mère de Yuna. Donc voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo et sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle sur FF10. Allez, salut!